Bonjour, bienvenue sur un tout nouvel épisode du compte Xbox à 0€ sur FC24. On est déjà au 19e épisode. Merci à toutes et à tous pour votre soutien. Aujourd'hui, c'est simple. On va te montrer les deux packs hero qu'on a ouverts hier en stream sur Twitch pour les packs hero de dimanche. Ils vont revenir aussi vendredi, donc à voir si on va les refaire. Et aussi, on va ouvrir les récompenses Division Elite pour la première équipe des FUT Ceinturions. Juste avant, n'hésite pas à liker et aussi également à t'abonner si tu es tout nouveau sur cette chaîne-là pour ne pas manquer les prochaines vidéos. Et aussi, il y a m'a oublié de préciser, mais on découvrira la nouvelle saison avec potentiellement les nouveaux packs et les nouveaux joueurs qui s'y trouvent. Maintenant, on va te montrer tout de suite les deux packs heroes qu'on a ouverts hier en stream. Bah, j'espère bon courage à lui parce que les gars, on va soumettre cette première équipe. Enfin, du coup, c'est la dernière équipe pour le pack hero. Et je vous rappelle, les frérots, si Vince, il est obligé de jouer avec la première carte hero qui va packer dans son premier pack Hero Max 87. Et là, genre, là maintenant, du coup, on a fait les deux packs Heroes, les gars. Les deux packs Heroes, j'ai fait ça plus ou moins gratuitement. J'ai pas acheté des joueurs pour mettre dans le SBC. On a 2 100 000 crédits. Bon, allez, Vince, bon courage. Ouais. J'espère que tu auras une giga défaite dans ton premier pack Hero parce que ça va être le joueur que tu vas devoir jouer dimanche. Non, jeudi 18h pour le Twinsico. Peu importe, Vince, si c'est Ramirez, Yaya Touré ou bien même Dempsey, Campos, etc. Allez les gars, j'espère la victoire. Brésilien ou Côte d'Ivoire. Allez, c'est parti. Le deuxième pack rose. AD. C'est Aljaber. Ah, j'ai eu chaud. J'ai eu chaud de fou. J'ai pas pensé à Aljaber, j'ai pensé à Lorange. J'ai dit, oh non, merde. Heureusement, heureusement, c'est lui. Maman, 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 maman. Non, en vrai, il est pas si nul. Lui, en tant que super sub, tire en finesse. Faudrait que je fasse attention, faudrait que je bouge le goal. C'est pas le pire, non, je vous dis la vérité les gars, c'est correct. Super sub de luxe. Taisez-vous. Super sub de luxe, Vince. Non, en vrai ça va. Bon allez mes petits princes, c'est le deuxième joueur Hiron après Aljaber. On aura donc roulement de tambour, j'espère une victoire. Dommage les gars, dommage, remove, remove. C'est bien, Vince, comme ça tu t'es fait. Tu auras deux super subs. Et deux buteurs super subs. Et je vais pas dire sous-côté parce que c'est une giga défaite. Mais. En sortie de banc, en fin de match, en prolongation, tu rentres un joueur sur le côté qui a centre et tu mets Peter Crouch. Les gars, ma plus grosse défaite que je me suis pris cette année sur FC24, c'était un mec qui savait gérer au mieux Peter Crouch. Il était injouable. Ce sera donc avec Aljaber que je vais devoir jouer ce fameux Twinsico, les frérots, aujourd'hui à 18h, comme le challenge était dit. Le premier joueur Heroes que Liam et moi en pack, on devra le mettre titulaire ce soir à 18h pour la cinquième, pour le cinquième épisode, tout simplement, du Twinsico. Donc voilà, moi, ça sera Sami Aljaber. Il a quand même le playstyle plus, finesse. Ça peut être potentiellement intéressant, mais bon. Il coûte 30 000 crédits, je m'attends à rien avec ce joueur. Voici par contre la toute nouvelle équipe que je me suis achetée. Et elle est forte. J'avais 2 100 000 crédits les gars. Je me suis acheté cette équipe. Juste les gars, Raoul il est pas fou. Raoul les gars il est pas fou du tout. Je vais le revendre. J'ai acheté 850 000. Je crois qu'il part pour 870 880 000. Donc je vais perdre un peu avec la taxe. Et donc du coup il me faudra un buteur icône. Je pense que je vais m'acheter Zola. Je pense les gars que je vais m'acheter Zola avec les crédits restants. En sachant que je ne joue pas comme ça une game, je vais te montrer ça tout de suite. Je joue en offensif comme d'hab en 4K2. Donc du coup c'est ça les joueurs in game. Voilà, dis-toi Raoul, en plus je faisais jouer MG, c'était vraiment pas fou. Par contre Ronald, mais en fait de base tu le faisais jouer buteur. Ouais. Faut le dire, de base que tu le faisais jouer buteur et que t'aimais pas du tout son impact. Donc du coup tu l'as mis milieu gauche. Alors que moi potentiellement Vince, tu aurais dû peut-être le mettre milieu droit pour les enrouler. Les gars, Vincent des fois il fait des choix, je vous promets. Ça n'a pas de sens des fois, Vince. C'est pour ça que tu perds au Twinsico. Mais réveille-toi. Non, mais les gars, je vais rendre. Il est vraiment. Moi, je le trouve vraiment pas fou. Mais en tout cas, voilà. Ronald Koeman, il est vraiment bon au milieu de terrain. Et Cordoba Van Dijk, c'est trop fort. Derrière, c'est vraiment, vraiment fort. Donc voilà, ça, c'est la nouvelle équipe, les frérots. On aura à peu près 850 000 si on vend notre ami Raoul. J'avais 2 100 000, j'ai fait cette équipe. Donc voilà, on va découvrir la nouvelle saison ensemble, les gars. On a déjà vu sur les réseaux, il y a le Tifo. Il n'y a que le Tifo, il n'y a pas les packs. Il n'y a pas de packs, il n'y a que le Tifo, donc voilà. Je voulais aussi me faire Dani Opera, les gars, je pense que Dani Opera, du coup, il est parti, j'ai pas eu le temps de le faire. Peut-être qu'il regarde, voit. Ah ouais, non, il est parti, j'ai pas eu le temps de le faire, les gars, Dani Opera, parce que j'avais déjà fait mes 6 matchs le jeudi dernier, il y a une semaine. Et donc voilà, j'ai pas pu. Donc on va découvrir ensemble la nouvelle saison dans Progression Saison.
On a, bon, c'est un pack 3 attaquants 80+. Attends, juste avant qu'on continue, ça dure 21 jours, les amis, là. 3 semaines. 3 semaines, ouais, ça a duré 21 jours, donc sûrement, pendant le jeudi juste avant le Black Friday, tu auras une nouvelle saison. Ensuite, bah, tu as tous ces petits packs, et là, tu as déjà un pack 80 x 10, où c'était 83 x 3. Bon, okay. Je pense 80 x 10, c'est clair pour tout le monde. Ensuite, t'as Awoni, une belle petite carte en duo dynamique qui joue en première ligue, ok. Double 3 par contre. Il n'a pas de playstyle intéressant forcément. Très physique, ok, il joue à Nottingham Forest. Le deuxième joueur, ça sera Van der Enden, il joue en La Liga. Défenseur central à 1m85. Est-ce qu'il peut avoir des playstyles intéressants? Il a juste correct. Qui peut être plutôt correct. Et enfin, le troisième joueur pour le palier de 10, Zirkski, qui est un crack au Bayern Munich. Ouais. Mais qui s'est un peu éteint, les gars, il est où? Il est à Bologne. Il est à Bologne, ok. Bah, il est coaché par Thiago Motta, par contre. Ok, ok. Bah, ouais, ok. Moi, je pense que je vais prendre Zirkski, les gars, pour le moment. Ensuite, pour le niveau 11, t'as un pack 3 joueurs 83+. Un choix. Niveau 13, t'as 2 83+, 3 84+. Par contre, ça donne pas mal de packs. C'est, ouais. Je préfère que ça donne des packs que des tifos ou des éléments qui sont pas forcément si intéressants que ça pour nous sur FUT. Je trouve des personnalisations de stade ou tifo, ça m'intéresse pas tant que ça. Des packs, c'est mieux. Là, par contre, c'est une belle petite carte. Il est en double 4 ? Non. Oh, dommage. Parce que là, ça aurait été une belle petite carte, je te mens pas. Et là, en fait, il te donne pour les choix avec Zirkski. Par exemple, Zirkski, moi, ouais, je donne des... ça donne des liens. Des liens, ça donne des très bons liens. Donc voilà. Et enfin, après, tu auras David Klaassen. Belle petite carte, hein, David Klaassen, quand même. Ah oui. Après, en plus, il a des playstyles qui peuvent être potentiellement intéressants pour un milieu défensif. Ouais. Pour un milieu def, ça peut être intéressant. En plus, il a de l'endurance. Mais c'est vrai que ça sera juste avant le Black Friday, du coup. Ouais. Ça sera vraiment juste avant le Black Friday. Pack 11 joueurs 80+, ça donne que des packs, en fait. Et que des joueurs, ok, bon. Moi, je crois, honnêtement, ok, si c'est ça la petite victoire des objectifs, tant mieux. Par contre, Iwobi, ok. Grosse petite carte, les gars, Iwobi, quand même. Ça, vous vous en souvenez, les amis, l'année dernière, quand il y avait eu la carte d'Iwobi similaire à Okocha. C'était un sacré arc. Witzel aussi, belle petite carte. Par contre, Witzel, les gars, je vous en passe, c'est une très belle carte. Moi, je pense que je vais faire Witzel. Là, pour le coup, je vais prendre Witzel. Et Karsdorp. Et Karsdorp aussi en tant que défenseur droit. Ok, ok. Avec le Playstyle Plus, justement, des passes travaillées. Donc ça peut être aussi très intéressant pour les centres. Pour le coup, les gars, j'aime beaucoup le fait qu'ils donnent que des packs et que des joueurs, comme il aime bien juste de le dire. Et enfin, pour le niveau 20, il y aura pack 3 joueurs 86+, et ou 2 joueurs 87+. Il faut seulement 20 000 XP. Si tu joues à FC24 tous les jours, tu auras terminé ta saison. Il n'y a pas de souci là-dessus. Dans 3 semaines, juste avant le Black Friday. Donc voilà les frérots, la nouvelle équipe est faite. Je vais faire aussi, les gars, de mon côté, je pense, les renforts art trophée pour un joli petit pack opening vendredi. Donc voilà, ça sera les dernières récompenses division élite. Peut-être parce que la semaine prochaine, je pense pas que je vais faire la division 2 jusqu'à la division élite d'un coup. Donc voilà, pour rappel, la division élite, t'as 2 choix joueurs 84+, 2 packs à 100 000, 2 packs 50 000, 2 packs méga. Il y a aussi une nouvelle team of the week qu'on va voir à l'instant. Il y a Wendy Renard, Erling Haaland. Et après, c'est à peu près tout, non, si je m'en souviens. Après, je crois que c'est à peu près tout dans l'équipe de la semaine. Il n'y a pas tant de joueurs que ça qui sont si intéressants. Toi, t'as Harry Kane, Renard, Haaland. C'est là, en fait, c'est pour ces équipes de la semaine où tu dis, ah, t'es content quand même d'avoir des récompenses, ouais. Des nouvelles récompenses. C'est pas des récompenses avec des joueurs rouges, personnellement. Donc, let's go voir l'équipe de la semaine. T'as Harry Kane aussi, t'avais Harry Kane. Ouais. T'as Harry Kane, Haaland et Wendy Renard, c'est à peu près tout. Il y avait aussi, peut-être, pourquoi pas, De Marcos qui peut être intéressant. Ouais, en vrai. Mais bon, il y a déjà Llorente aussi à ce poste-là. Et après, le reste, c'est que des petits fodeurs, à mon avis, aussi Medina, Paulinho, qui peuvent être sous-cotés. Mais c'est vrai, par contre, pour le coup, Wendy Renard, les gars, in-game, ça peut être très très fort. Limite, aussi fort que Van Dijk, et je pèse mes mots. Attention. Limite, les gars, limite. Bon, allez, on ouvre les deux choix joueurs 84+, un petit centurion, ça ferait plaisir. Et on a le petit centurion, les frérots, aujourd'hui, donc ça fait plaisir. Rierson. Même si c'est pas fou, les gars, je vais pouvoir le faire évoluer. Je crois que c'est ça, ouais, tu peux le faire évoluer. Et en plus, c'est défenseur gauche Bundesliga. Bon, t'as Alphonso Davies, mais quand même, ça va. Et il est. Par contre, il est droitier côté gauche. Tu peux aussi le faire jouer au défenseur droit. Ça, c'est cool. Allez, le deuxième choix à jouer, est-ce qu'on aura un autre centurion? Non, mais on aura Oblak. Voilà, ça, je vais prendre avec plaisir. Donc, pour moi, les gars, déjà, les choix joueurs, c'est une victoire. J'ai mon petit centurion, j'ai mon 88, je suis content. Je vous ai dit, du coup, je vais faire les renforts art trophée avec les crédits. Que je vais récupérer du coup avec notre ami Raoul. Donc voilà, ça va être plutôt cool les gars, 850 000. Je vais peut-être mettre 200 000, 300 000. Mais comme ça va te permettre d'avoir justement un bon petit pack opening. Parce que là, niveau fodder, les frérots, c'est sec.
Niveau fodder, c'est très sec. Les deux packs heroes hier, ils ont quand même pas mal assassiné mon compte. Donc, le premier pack méga invendable. Juste Vint, je te conseillerais de faire attention. Oh. C'est quoi? Ah, c'est Vanaldum. C'est Vanaldum. C'est Genie Vanaldum. Je te conseillerais d'éviter de faire vente rapide sur des cartes or non rares. Tout simplement parce qu'avec les renforts rattrophés, ça peut partir pour quelque chose. Donc mets-les dans ta pile des transferts et t'en auras besoin. Montre-moi la carte de Genie Vanaldum vite fait. Il y a une belle petite carte. Parce que t'en auras besoin pour faire justement tous les SBC. Ouais, MCMDC, on avait regardé la carte hier en stream. Je trouve qu'il manque un petit peu d'endurance. Par contre, ouais, Genie Vanaldum, normalement, il y a beaucoup plus d'endurance que ça. Hein. 79, ils l'ont quand même. Ils ont quand même assassiné son endurance. Ils l'ont quand même tabassé là. Il est en double 4 ou pas? Non. Il est pas en double 4? Non, il est pas en double 4. Voilà, tu l'as mis sur la pile des transferts, voilà. Comme ça, t'en auras besoin, Vince, parce que t'as 100 DCE à faire. Donc ça va te demander beaucoup de temps et beaucoup de joueurs. Donc n'hésite pas à les envoyer dans ta pile des transferts. Là, ça sera notre ami Sébastien. Alors, donc voilà. Si vous avez testé les gars Zola, dites-moi s'il est fort ou pas en commentaire. Je vais me le prendre, je pense. Je pense vraiment. Tu vas kiffer. Pour le coup, je pense que je vais me le prendre. Ouais, il a tir en finesse. Et comme ça, devant, je pourrai l'associer avec notre ami Mohamed Salah et ou Antoine Griezmann à voir justement comment ça va se passer devant. Le premier pack à 50 000, on aura juste un joueur en régulier. On aura MDC espagnol. Est-ce que ça peut être? C'est Saoul, ça, non? C'est peut-être féminin, ça. Non, c'était non, c'est Coquet. Non, mais aussi, ça, à la place de Raoul, moi, j'avais conseillé hier à Vincent Torres. Fernando Torres, parce que je le trouvais meilleur. Et puis, dans ce rôle de complémentarité, plutôt de vrai neuf et un peu en mode buteur de fixation, buteur qui peut aussi un petit peu délivrer le jeu, Fernando Torres, pour moi, était meilleur que Raoul. Mais malheureusement, il manquait quelques petits crédits à Vincent. Donc voilà, c'était le petit dilemme. Vincent, il a préféré Raoul. Raoul, on a fait de la coop hier à deux et il n'était pas forcément si dingue que ça. Et même quand Vincent l'a testé en mode solo, c'était un peu compliqué. Donc bon, ouais. Pour 850 000 crédits, c'est un bon joueur, Raoul. Mais pour 850 000 crédits, quand même, on en attend un peu plus. Ou peut-être parce que j'ai des joueurs qui sont similaires à lui en termes de style de jeu, tu vois. Peut-être c'est ça. Grisou, Raoul, c'est un peu... Ouais. Puis ça, t'as deux gauchers devant. Tu vois, moi, je préfère toujours un gaucher, un droitier. Par contre, les gars, vraiment, pour le coup, c'est très, très, très sous-côté. Notre ami Ronald Koeman, j'ai vraiment beaucoup aimé. En plus de ça, il a tir puissant. Donc ça c'est cool et vraiment pour le coup c'est une carte sympa à jouer soit en tant que défenseur central, soit en tant que milieu de terrain replacé in game. Vraiment pour le coup j'ai bien aimé avec le fameux KDB à côté, ça bosse. Moi en défense centrale j'aurais un peu plus de doutes, tu vois. Moi j'aurais vraiment plus milieu de terrain mais plus DC, moi j'aurais un peu plus de doutes personnellement. Oh les gars c'est une icône. Icône. J'ai une icône. J'ai une icône les gars. Je cherche fou, j'ai une icône. Oh là là. J'ai une icône. C'est trop frère. Mais c'est peut-être lui mon joueur. Non bah vas-y Vince, c'est peut-être lui mon joueur. Vas-y joue avec lui. C'est peut-être lui mon joueur. Vas-y Vince, joue avec What lui. What is this bro? Joue avec lui Vince, retourne c'est quoi ce soir? J'ai mon icône les gars, j'ai mon icône. Je vais le tester, on va voir ce que ça donne. Mon dieu. Cette sensation les frérots. Oh. Ah c'est trop Vince. Wow. Vince c'est déjà sa deuxième icône cette année, je rappelle. Vince deuxième icône cette année. Oh il a tir en finesse, tir puissant en vrai. Mais il a pas 4 de GT, mais c'est ça le problème. C'est le problème de Shevchenko. Parce que si tu lui donnes double 4 là, c'est tout de suite, il rentre dans une nouvelle catégorie. Il coûte combien? Ouais, c'est 150 000 en vrai. Les gars, est-ce que je joue avec lui ou pas? De toute façon, dans tous les cas, je comptais vendre Raoul. Est-ce que je joue avec lui? Bah, pour le coup, vas-y. Oui ou non, pour le tester au moins. Bah oui. Là, c'est parfait, Vince. T'avais besoin d'un buteur icône. Ah ouais, non, mais. Moi, hier, j'ai besoin d'un buteur français qui joue au PSG et qui a beaucoup de vitesse. Et qui était sur le podium du Ballon d'Or. Et comme l'année dernière, au début de jeu, je pack mon icône. Si l'année dernière, c'était d'avoir ce cœur dans les récompenses Ravens. Mais là, mais dis-toi, Vince, t'as packé Figo en vendable et t'as packé Shevchenko. C'est dingue. Allez, bravo. Le dernier pack d'aujourd'hui, les frérots, ça sera pas de Centurion, mais c'est pas grave, ça sera. Tomori? Non, dommage, ça sera John Stone. Ça peut cacher, hein. Parce que c'est 85. Ça peut cacher potentiellement Tomori ou Hernandez. Un petit Tomori, j'aimerais bien parce que je. Voilà. C'est quand même toujours sympa d'avoir un petit Tomori. Non. Il y aura Stones, il y aura Nathan Ake, il y aura 6 doublons. Il n'y aura pas grand chose derrière les frérots. J'ai eu mon icône. Quelle sensation d'avoir une carte icône. La vérité, les frères, c'est une super sensation. Maintenant, de votre côté, les gars, dites-nous ce que vous avez eu. Si vous étiez aussi chanceux que nous, et qu'est-ce que t'en penses justement du fait qu'on a justement. Seulement eu un Tifo pour 90 matchs en Rivals. Je vais juste comparer les prix de Raoul, 150 000, 860 000, tu vois. Il va monter aujourd'hui. Ouais, il va monter tranquillement. Je vais le vendre aujourd'hui, comme ça on aura à peu près 850 000, comme je t'ai dit, en termes de crédit. Donc là, je vais l'envoyer sur la liste des transferts. Et je vais mettre Shevchenko, les gars, je m'y attendais pas du tout.
Et c'est ça aussi la beauté. Et ça se trouve, dans un monde, c'est peut-être le buteur qu'il me faut. Ça se trouve. Bah, c'est un profil différent de Griezmann. Moi, je pense que ça serait déjà peut-être un peu plus complémentaire. Ouais, non, mais ça peut se tester, Vincent. Regarde, si après, on regarde bien ses stats. Après, moi, il y a un truc qui me... Ouais, c'est la quatrième étoile de geste technique. Si ça dérange pas plus que ça, en vrai, ça peut être un bon buteur. Il fait 1m combien? Je crois qu'il fait 1m83, non? 1m83. Et c'est quoi ses styles de jeu? Est-ce qu'il a un playstyle par rapport au niveau de la tête? Non, il a pas. Parce que sinon, tu vois, ça aurait été un mec, un buteur, avec de la, un peu plus de, en mode, tu vois, renard de surface avec la tête et tout, ça peut t'offrir pas mal de petites solutions. Mais Chapchenko, ouais, c'est un playstyle qui peut être plutôt intéressant au niveau des tirs. Les frérots, du coup, on se retrouve aujourd'hui à 18h pour le fameux Tunsico et il y aura le Joker. Je vais pas jouer avec Al Jaber, je vais jouer avec notre ami Chapchenko, parce que voilà, on a une autre icône et ça se mérite. Et oui, c'est pas tous les jours, Liam, qu'on tape une icône. Si tu as kiffé la vidéo, n'hésite pas du coup à liker et à t'abonner. Un grand merci les frérots encore pour les 58 000 abonnés. Merci beaucoup les gars, moi c'est Vincent. Moi c'est Liam, merci beaucoup les amis. À ce soir 18h sur Twitch, twitch.tv les Twins. Ciao.